Lors de la préparation de la nouvelle exposition permanente des régiments suisses aux services étrangers, il était assez évident qu'il fallait mettre un certain nombre d'objets en avant ayant appartenu à des Vaudois. Je connaissais déjà la coiffure qui est présentée dans cette vitrine, ce shako qui est percé sur la partie droite d'une balle russe à la bataille de Polotsk. Par contre, l'officier qui le portait était inconnu. En 2003, une dame était venue me trouver ici au château, Madame Silic de Morges, qui était la descendante d'un capitaine qui s'appelait Abraham Rey, capitaine au 1er régiment suisse des voltigeurs, et elle possédait l'épée gravée à son nom, deux médailles, ainsi qu'une miniature représentant le capitaine. Lors de la préparation de cette expo, je suis revenu sur le document de synthèse qui était un tapuscrit qu'elle m'avait présenté, et puis j'ai découvert que ce shako appartenait à ce capitaine, puisqu'il est nommément présenté comme, lors de la bataille de Polotsk, il reçoit cette balle russe sur le côté droit. En plus de cette coiffure, la veste d'uniforme que vous pouvez voir, qui était mal indiquée comme une copie de nos collections, a pu être rattachée à ce capitaine Abraham Rey. Et la particularité, c'est que l'ordonnance de cette veste était une ordonnance 1806, transformée en ordonnance 1812 Bardin, c'est-à-dire la coupe droite.